Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans un nouvel épisode sur Holy Cube. Je sais plus du tout le combien de temps c'est comme d'habitude, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Et puis tout d'abord, je tiens à m'excuser, on va commencer par ça d'ailleurs, pour les petits... les épisodes sont tournés de manière assez chaotique et déstructurée. Le montage n'est pas forcément terrible non plus. Et puis en fait, j'ai un peu de peine à suivre du fait que je pars. Ben, vous avez vu la vidéo d'annonce d'ailleurs. Merci beaucoup pour toutes vos bonnes réactions qui font hyper plaisir. Vous êtes incroyables. Et puis vu qu'on doit déménager, faire nos bagages, faire aussi quelques petits une journée aussi porte ouverte, enfin, bref, pour les amis qui peuvent venir, etc. C'est beaucoup à faire, et puis j'ai aussi le boulot où j'ai beaucoup à faire, des procédures, des machins, des trucs pour que les suivants puissent reprendre, et c'est pour ça que j'ai un peu de la peine à suivre. Mais tout de suite, nous allons nous coucher pour passer la nuit, et puis intro. Et voilà, c'est fou comme l'intro fait la durée de la nuit, à peu de choses près. Bref, dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais juste redescendre, parce que là, on peut faire un peu de décoration, tiens, c'est possible, ça. Possible un peu de décoration, et puis, surtout, ce qu'on va faire, j'ai pas encore fait, comme vous pouvez le voir, les arbres en vert, etc. Mais on va le faire. Et puis, pour preuve que j'étais prêt, c'est que, normalement, si j'ouvre ce coffre-là, voilà, j'ai du vert comme ça. Donc il faut juste que je m'entraîne un peu en créatif pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Et puis je pense qu'on va faire un mix de glass pan et puis de glace. Normalement je vais encore avoir des colorants, voilà, ici et là. C'est parfait, il manque juste un peu de sable. Normalement du sable je devrais en avoir mis, voilà. Si ça c'est pas beau, je ne sais pas ce que c'est. Alors le sable, on a dit que c'était ici, là, et là, voilà. Boum. Ça c'est fait. Et puis aussi pour les petites nouveautés, j'ai fait ce petit coin ici. Oh non, ça fond ici. Shit. Je pensais peut-être que ça allait pas fondre du fait que la glowstone était assez haut, mais ça fond. Donc c'est une bien triste nouvelle, chers amis. Donc on va pas pouvoir faire ça comme ça. Dommage, j'aurais bien voulu. Ici je me demandais, je crois qu'il y a des peintures de 3x3. Donc soit on met des barrières de boulot. Je n'en ai pas sur moi, mais on va en faire. Des barrières de boulot. Et puis on met une peinture, ou bien pas de peinture, ça dépend. Et puis ici une peinture de 2, et ici une peinture de 2. Et puis là on a quelques-uns de nos coffres ici. Et puis de ce côté-là on va pouvoir encore redescendre, là j'ai pas encore fait, mais on va pouvoir redescendre. Et puis là je crois qu'on doit tomber juste derrière le petit passage, le souterrain, dans la caverne. Je crois qu'il est juste là-bas derrière, je sais pas exactement où, mais il est par là. Les lianes, je crois qu'on n'en a plus rien à carrer. Ça, c'était fait pour YOLO me protéger. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose... Ah oui, donc, il y a les arbres de vert, là. De vert violet et vert rose. Une autre chose qu'on va faire dans cet épisode-là, c'est cette piscine-là. En fait, on va la modifier pour en faire plutôt un espèce de d'étang. Voilà, je crois que vous avez bien aimé l'idée, donc on va faire un peu plus étang. Et c'est tant mieux. Bref, c'est de la merde. J'avoue ne pas savoir quoi dire, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, hein. Alors, on sent que les habitudes partent très très vite, je me réjouis pas dans 9 mois. Enfin bon, bref. Je vais vous laisser un petit moment, bosser un peu dessus, et puis je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer, et puis on essaiera de faire aussi un tour avec quelqu'un, mais comme je viens de vous dire, les tournages sont un peu chaotiques. Je peux tourner pas au moment où les gens jouent, je tourne plutôt à l'heure de Fanta, là. On ne le voit pas, parce que c'est encore presque tôt pour lui. Enfin bref. C'est un peu... Ouais, totalement le chaos. Je crois que le chaos est bien choisi, le mot. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ah, tiens, il y a ça. Ça, c'est nouveau. On va juste aller voir un coup. Je crois que c'est une usine ou un truc comme ça. Ah, mais c'est la baraque à frites de Horay, je pense. Ouais, c'est ça. La nouvelle baraque à frites japonaise de Horay. joli. Ouais, la frette. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça n'a pas beaucoup... bouger, je crois. Je pense que là-bas en bas, ça a peut-être un peu bougé. Je sais plus combien de temps ça fait que je me suis pas connecté sur le serveur, mais bon, ça fait pas non plus une semaine, hein, ça va. On ira voir ça aussi. On ira voir ça. Résultat final de l'épisode précédent, en fait. On a joué sur le dé à coudre et puis Aurel a tout décoré.
Sinon, je ne sais pas tellement qu'est-ce qui s'est passé sur l'île, je ne sais pas non plus ce qui s'est passé vraiment sur dans les maisons de chacun, genre à leur lieu respectif, dans les bases respectives. Je ne sais pas tellement, il me semble que. Ah oui, il m'a dit que Davlek avait fait son jardin, donc on ira sûrement voir une fois. On va remettre ça, hein, puis je suis encore désolé, Dave, d'avoir sombrement coupé ta partie, mais bon, on t'entendait pas, donc voilà. On ira voir un peu ce qu'il a fait à l'intérieur. Il paraît qu'il a bien bossé. C'est lui qui m'a dit, hein. C'est lui qui m'a dit qu'il a bien bossé. Edo, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, tiens. Enfin bon, bref, on va avancer dans la déco et puis je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer. C'est ça, c'était ça le plan initial, donc je crois qu'on va s'y tenir pour cet épisode encore une fois. Allez, à toutes. J'ai passé pas mal de temps en créative, je dois vous dire. Et puis, au niveau du résultat, ben, c'est, comment dire, mitigé pour ma part, mitigé. Mais il y a quelques restrictions quand même qui font que c'est assez compliqué de faire un truc comme ça. Enfin, faire un truc comme ça, non, réussir, mieux réussir ou bien réussir, ou je sais pas comment vous appelez ça. Il me semble que ça va quand même pas si mal, hein, ça va quand même pas si mal. Avec les glass pans, on peut faire du coup monter un peu plus haut et puis faire vraiment un bout un peu plus fin. Plus comme un arbre, comme un sapin, genre. Mais c'est petit en fait. C'est petit. C'est juste 3 sur 3 blocs, enfin 3 de large et 3 de long. Du coup, il y a 4 de haut, c'est pas énorme, énorme, mais du coup, c'est un peu compliqué de faire quelque chose qui tient vraiment bien la route. Attendez-moi juste 30 secondes, je vais voir si je check vite un petit truc, si ça marche ou pas. Voilà, c'est tout bon, j'avais peur que le son ne s'enregistre pas. Vous savez, le petit doute qui vous dit tout d'un coup dans le coin de votre tête, t'as contrôlé le son avant d'enregistrer? C'est celui-ci que j'ai eu, donc non, c'est bon, tout va bien. C'est fausse alerte. Fausse alerte. Donc, comment est-ce qu'on va faire ces petits arbres? Moi, je vais les faire avec vous, un ou deux, puis ensuite, sûrement une petite coupure. On regardera aussi comment je vais faire pour faire mon petit bassin naturel. Modification, du coup, parce que là, ça fait un peu trop piscine au goût de certains, et à mon goût, du coup, aussi. Alors, hop, 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 on récupère juste de la laine. On va mettre des blocs. Alors, c'est du pink. Donc, ce que j'ai fait, c'est on va faire ça comme ça. Ça comme ça, ça comme ça. Premier coup fait. Oh non, 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 non. Chier, j'en perds toujours. Je fais jamais vraiment gaffe à fond, quoi. Vous savez quoi, je vais les mettre. Voilà, comme ça. Et même. Comme ceci. Ok, alors maintenant, hop, on y est. Comme ça, pardon, j'ai le ok. Oh non, j'espère pas. Faut que je me contrôle. Faut que je me contrôle. Pas le ok, pas le ok. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Voilà, un deuxième petit arbre fait. Donc, on a une base de 3 par 3. En fait, c'est tout ce autour là. En fait, j'aurais pu mettre un ou deux en mode. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est plus joli, ça affine plus l'arbre. Ensuite, celui-ci. Ça va être un peu long à faire, hein, voilà. Mais voilà. Sinon, oui, je pars bientôt, je suis bientôt loin. Certains pensaient que l'épisode précédent serait le dernier sur Alicube. Eh ben non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le dernier. J'en ai encore quelques-uns à vous donner. Peut-être pas forcément sur Alicube, hein, peut-être pas forcément sur Alicube, mais ceci ne sera pas le dernier. De toute façon, je vous ferai une petite IRL pour dire officiellement « It is over, I'm leaving ». Comme quoi je me tire, et puis de toute façon, ça faut pas vous inquiéter, hein. Il y aura. Merde, je peux plus remonter du coup. Voilà. Chiotasse. Allez hop. Ici. Vas-y, tu peux. De toute façon, je vous ferai une petite IRL pour vous dire que je me casse, et puis j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je crois pas. Ça, vous avez pris super bien la nouvelle, comme je disais tout à l'heure. Donc c'était hyper facile. Alors hop, hop, et puis maintenant on va faire. Comme ça, et puis comme ça. Après, les arbres, là, on verra aussi quand ils seront tous faits. Hein. Là, pour l'instant, ça fait un peu. Ouais, ça fait futuriste, en fait. Ça fait un peu futuriste. Est-ce que j'en ai encore un autre, tiens? Non? Si. Voilà. Viens voir ici, toi. Je vais t'enlever. On va te remplacer par un arbre de verre. J'ai essayé de faire un mix laine-vert pour enlever un peu ce côté transparent futuriste. J'ai pas réussi. Tout simplement. Je n'ai pas réussi. Donc c'est trop petit en fait. Ça fait vraiment des grosses taches dessus. C'est vraiment pas très très joli. Vraiment pas. Hop. Hop. Et puis là.
je ne peux pas mettre mon verre, donc on va faire juste ça comme ça, comme ça, et puis on peut tomber, on s'en balance le steak. Alors comme ça, on va mettre trois roses, on va mettre le rose ici, là, violet, rose, rose, donc je peux juste passer là, voilà, rose, et puis rose ici, et puis encore rose là, et puis violet ici. Voilà, je crois que c'est... Non, c'est pas tout bon. Ah bah attendez, en fait, ce que je peux faire, c'est ça. Faire hop là. Voilà. Hop là. Comme ça, c'est fait. Ce qui n'est fait n'est plus à faire, comme on dit. Ce qui n'est fait n'est plus à faire. Et puis, quelle est la... Qu'est-ce que je vais faire en attendant la fin... Enfin, en attendant, non. D'ici la fin de mes épisodes sur HoliCube... Enfin, d'ici, non... pas la fin, d'ici le début de mon voyage plutôt, parce que la fin de HoliCube viendra, vous serez toujours là, je pense. Vous serez toujours là, et puis moi je serai toujours là aussi, donc faut pas vous en faire. HoliCube repartira de plus belle quand je reviendrai. Ça, c'est clair et net. Ensuite, ici, là, là, et là. Perfect. Je crois que c'est bon. HoliCube ne sera pas mort une fois que je pars. Hein. HoliCube sera toujours là, toujours vivant. Et puis moi je reviendrai aussi quand je reviendrai. Et puis on repartira de plus belle pour HoliCube. Vous savez quoi, ceux qui sont derrière là, je vais les faire off caméra. Et puis maintenant on va avancer un peu. On va dormir pour faire passer la... Passer le... Comment on appelle ça? La pluie, hein. C'est ça, je crois que c'est la pluie. Allez hop, dodo. Et voilà, le matin se lève, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et la pluie s'arrête. La pluie s'arrête. Nice. Hop, on s'en balance le steak et on descend. Ensuite, ici, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, en fait, il faut que je prenne, déjà que je vide un peu mon inventaire, ça c'est clair et net. Alors, hop, hop, ensuite on va faire ça comme ça, hop, hop, je crois que du gravier, je dois en avoir par là, je sais même plus où est-ce que j'en ai, voilà, ici, merde, les torches, j'en ai encore besoin. Par contre, la cobble, non, c'est vrai. De la dirt, c'est là. Désolé, hein, je sais qu'il y en a que ça saoule complètement que je fasse ça. Ça saoule que je vide mon inventaire comme ça, YOLO. Vous n'aimez pas du tout voir ça, mais je suis désolé. Je suis navré. Voilà, comme ça, c'est parfait. Snow pellicule, voilà. Et puis de la laine, je crois qu'elle va ici. Now. Ensuite, on va prendre un peu de... Dark Oak Wood, il nous faut de la dirt, évidemment, et puis on va prendre, normalement je crois que je dois avoir un seau là, c'est juste pour relever l'eau au cas où. Ah mais j'ai une source, non je sais même plus si j'ai de source infinie, tiens. Bon apparemment là c'est la merde. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici là, on va briser ça, alors hop, comme ça, et on va placer des bûches. Les bûches donneront l'effet de renfort. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, là on aura un côté bûche. Là on aura aussi un côté bûche de ce côté-là. Mais je pense qu'on va faire... Pour que ça soit logique, on va faire ça comme ça. Les bûches vont aller assez loin. Ok. Voilà, on va les faire aller encore un cran, juste parce qu'on peut, c'est parfait. Ensuite, de ce côté-là, on mettra aussi les bûches. Ça se finit pas, non d'accord, c'est tout bon. Donc là, on a plus de bûches de ce côté-là que de ce côté-là, c'est parfait, c'est pas si grave que ça. Ensuite, ici, nous aurons de la dirt, du coup. Voilà, on va remplacer juste tout ça par notre cher dirt, qu'on a si bien enlevé. C'est ça le truc. Minecraft, tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets. Est-ce que vous savez que Minecraft était interdit par le gouvernement, je sais plus, coréen ou un pays d'Asie, justement. D'où l'intérêt que j'en parle ici. Parce qu'il était qualifié de jeu trop violent. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a tweeté ça. Merci à toi si tu regardes la vidéo. J'en reparle, je ne sais plus du tout où est l'article, mais enfin bon, bref, sûrement que vous l'avez peut-être vu. Et puis, du coup, ça m'a fait assez rire, parce que Minecraft est un jeu violent. Je veux dire, quand on voit... Quand on voit Call of Duty, etc., c'est quand même vachement plus violent que Minecraft. Mais en fait, le truc que le gouvernement n'a pas aimé, c'est qu'en fait, vous construisez vos maisons, et ensuite, en fait, vous devez tuer des créatures pour protéger votre maison.
Et ça, apparemment, ils n'ont pas digéré, quoi. Ah là là, je vous dis. Genre, les mecs, ils sortent de... Enfin, voilà, ils découvrent le jeu vidéo, ils se disent « Oh putain, merde, en fait, ils doivent buter des gars, ça va pas aller. » Oh là 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 là, c'est horrible. Pauvre gouvernement. Et puis du coup, pauvre... je sais plus, pauvre... japonais, je sais plus. Oh la dèche, je sais vraiment plus. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Et puis là, est-ce qu'on a une sorte de petit étang ça le fait ou bien pas? Ça le fait pas tellement en fait. On va rajouter un peu de barrière. Je crois que j'en ai peut-être un petit peu. Ouais, j'en ai même pas mal. J'en ai même pas mal. Et puis de manière à faire un peu un endroit un peu fermé, fermé au public. Dans l'idée, et puis de toute façon, on va encore décorer un peu tout ça, hein, faut pas vous en faire, ça va être hyper cool. Et puis là, on va remettre encore, voilà, juste une petite barrière ici, là, hop là, comme ça. Voilà. Ah non, mauvaise idée ça. Mauvaise idée. On va se la jouer comme ça. Comme ça, et puis là, est-ce que je peux en mettre? On va en mettre deux là. Voilà, ça fait un peu. On vient par ici. Là, ça fait renfort un petit peu. Ouais, ça fait un peu trop là. Stop là, vas-y. Oh, chiant, c'est chiant, c'est tôt. Quand c'est pas à, deux de prof... à un de profond, ça veut vraiment pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas vraiment d'endroit, on peut voir ça de plus loin, hein. C'est vraiment lourd dingue. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il manque peut-être un petit peu, un petit arbuste ici, là. Donc, je vais juste rechercher des... Ça, on va prendre aussi ça, et puis on va prendre ça. Alors, voilà. Comme ça. Et puis, on va en rajouter... ici je peux pas, ici je peux pas. Problème de ce genre de truc là, c'est que ça... Ah puis je vais aussi faire descendre ça. Ah mais c'est pas les mêmes. Là c'est des birch et puis ça c'est des oak, donc ça va pas aller. Le problème de ce genre de truc là, c'est qu'en fait si on met ça sur les côtés, ça va pas aller. Donc en fait il faut vraiment avoir un endroit assez dégagé. Et en l'occurrence là ça ne va pas tellement, tellement bien. On va faire ça comme ça, là je peux... Voilà. Puis un petit là, pourquoi pas. Voilà. Et puis ensuite, il nous faut de la bonne mille pour pouvoir faire ça. Tranquillou, tranquillou. Et puis après, bah, moi, j'ai plus grand chose à vous montrer, je dois avouer. C'est déjà la fin de l'épisode. Non, en fait, je pensais pas forcément tout faire en caméra. Et puis. Il y a un petit souci de petit fine là. Je vais peut-être le mettre à jour dans pas longtemps. Dès qu'il y a une mise à jour, en fait. Parce qu'on ne voit pas les plantes qui, ont, qui sont de hauteur. Enfin, on les voit, mais regardez. Hop là. Là, en si je clique sur celle-ci, elle devrait être de hauteur. Boum. Le bloc se met, mais pas le... Mais, enfin, le premier bloc se met, mais pas le deuxième. Alors, c'est un peu embêtant, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, il va falloir attendre un petit peu que le... Bah, ça peut aller, je trouve. Ça peut aller. Du coup, peut-être les portes japonaises sont peut-être un peu imposants. Je me demande si je fais... Si je ferais une porte... dans le genre... Comme ça... Comme ça... Ça ferait un peu moins imposant, hein. Et peut-être qu'on pourrait même se la jouer avec soit de... Non, mais j'aime bien en rouge comme ça. J'aime bien en rouge. C'est peut-être un peu moins imposant comme ça. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous voulez qu'on change ces portes-là à cette façon-là, et puis on met la glowstone ici, là. Ça pourrait être hyper cool. Redites-moi si ça peut être une bonne idée ou pas, comme ça je vous fais participer un peu, et puis on aura construit cette maison à peu près ensemble. Ça peut être assez cool et une bonne idée. L'intérieur, je vous ai montré, où je vous ai montré, c'est juste...
Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Quelles sont les nouveautés? Il y a la baraque à Fritz. L'épisode est sorti il n'y a pas très longtemps de Aurélien Sama. J'étais content parce qu'en fait j'ai tourné la première partie juste avant qu'il le sorte. Vraiment juste avant. Donc je suis assez content qu'il l'ait fait. Comme ça. Ah bah tiens, on va aller voir en fait là-bas son jeu. C'est une bonne idée. Et puis du coup, en fait, vous avez été beaucoup aussi à me dire qu'Aurélien Sama avait un endroit pour faire des mini-jeux. C'est vrai, j'ai complètement zappé le truc. Navré aurait, donc du coup on va aller construire notre course de cochon sur glace, mais par ça je me suis dit que ça allait être un peu ambitieux quand même de vouloir faire ça avant que je parte. Voilà, les plantes, il n'y a qu'un bloc qui s'affiche. C'est un peu ambitieux de vouloir faire ça avant mon départ, donc je pense que ça ne sera pas le cas, et sûrement que je le ferai après, mais je vais revenir, donc on va planifier déjà un peu le truc. Et puis, il y a moyen de sauter là, proche d'ici. Waouh! Les rizières. Mais ce côté-là, en fait, devrait être vert. Il devrait être vert. Et puis, j'ai des photos de rizières. J'en ai pris, tout ça, à Bali. Hein. Vous avez certainement déjà vu ça. Alors, est-ce qu'on tombe bien? On tombe bien. Parfait. Ah, c'est du homemade, en plus. Hein. Ça y était pas. Mais c'est joli, c'est joli. C'est superbe. On aurait peut-être mettre des blocs de laine vert ou du gazon. Je pense que ça donnerait encore un peu mieux... Et plus réaliste en fait du côté rizière, parce qu'en fait les mecs qui bossent dans les rizières utilisent ces endroits-là justement comme chemin. Et en fait c'est du gazon et le tour est creusé. Donc en fait cette partie-là devrait être verte, même si là les carottes ça fait hyper rizière en plus, c'est assez cool. Mais peut-être que le blé irait maintenant encore mieux du fait que le riz quand il est bien mûr, enfin quand il est prêt. Ils appellent ça quand il est pregnant, quand il est enceinte. C'est assez drôle. Quand il est enceinte, c'est jaune. Et puis le blé a une teinte jaune quand il est prêt, même totalement jaune-orange. Donc ça pourrait être peut-être même une bonne idée de mettre du blé à la place des carottes. Même si les carottes donnent cet effet aussi, on peut voir à travers. Et puis du coup, ça va être un peu plus rizière. C'est joli. C'est Funja Nice. Ah, il y a des gradins, tout ça. Ah ouais, il a bien fait son truc, quoi. Ah, ils ont fait une partie ou bien je sais plus. On en monte toujours par ici. Ah ouais, d'accord, ok, on passe par là. Et là on a ici la porte pour aller là-bas, d'accord. Le four parce que why not. Ok. Bah GG quoi. Hop là, on vient ici. Un bouton, je pense peut-être pour reset. Et puis il a mis les deux boutons sur le chaque côté, mais apparemment il les a bougés pour passer d'une personne à une autre. Voilà, le gradin où on voit peut-être juste pas juste pas assez. C'est pas grave, c'est du Minecraft. Who cares? Ah, et puis il y a des... Ok, d'accord. Des jack-o'-lanternes pour un peu de lumière. Voilà ce qui a été fait, superbe. Et puis, nous, notre course de moutons... Oh, de cochons, pardon. Ça saoule, il fait déjà nuit. Je vais me faire niquer, je suis sûr. On va la faire, je pense, à peu près juste à côté. Pas très très loin, qu'on puisse quand même la voir depuis l'île. Parce que là, on est... L'île est juste là. Peut-être dans ce coin-là. Ça... C'est un peu l'idée. Hein. Après, ça va certainement changer, parce qu'ils vont certainement construire plein de trucs ici. Mais en passant un peu par ici, là... Oh, ouais, trop bien. Comme ça, si j'ai faim, je peux déjà rien voir. À peu près par ici, là. Donc, on devrait à peu près la faire par là, je pense. À peu près par ici. Ça pourrait être Wunder Nice. Avec un petit pont, tout ça, pour passer par-dessus... Ah non, en fait, il n'y a pas de pont parce que c'est des marais après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'île où aller, disons. Île où aller facilement, quoi. C'est Wunder Nice, c'est hyper joli, c'est hyper joli. Je crois que c'est Auré qui fait ses live déco, là. Ah oh, purée, Valérie a du souci à se faire. Enfin bon, bref. Mais écoutez les gars, moi je crois que je vais vous laisser là. L'épisode est peut-être un peu plus court que d'habitude, j'en suis navré. Oh purée, des barrières partout. Ah ouais... Ça c'est quoi en fait? Je crois que j'étais déjà allé voir. Mais... Ouais, c'est juste une petite ferme. Et puis là, le chemin il mérite encore d'être fait. Ça c'est tout à fait normal. Ça prend du temps, mais ça sera hyper joli. Purée, tout ce que je vais manquer en 9 mois, ça va être absolument de la folie quoi. Juste abonnez-vous aux autres chaînes parce que moi il n'y aura plus grand chose hein, que vous avez pu comprendre. Abonnez-vous aux autres chaînes et puis tweetez-moi de temps en temps un screen d'une des vidéos. Comme ça, je pourrais voir un peu ce qu'il en est et puis ce qu'ils sont en train de faire. Ça pourrait être sympa de votre part. Et puis,
Je sais pas si c'est un passage secret qu'on avait fait sur la saison 1 avec Zephyr. Et puis, c'est bien ça, au moins on peut sortir partout, de tous les côtés. Ok, d'accord, cool. Attends, voilà. Ah oui, c'est juste c'est pour sortir. Ok, d'accord, pour sortir du cheval. Il faut aussi qu'on se trouve un peu une bannière. Une bannière. Bannière. Bannière, je crois que c'est plutôt pour. Ça donne bien. Bannière, c'est plutôt pour le web, je crois, pour les, pour les newsletters, pour les sites web, etc. Ouais, what is that? Ne pas tuer pour faire ma affaire. Ah ouais, d'accord. J'ai pas vu que c'était un villageois. peut-être qu'on fera un petit tour aussi des bases qu'il y a à peu près autour. Je sais qu'il y a Toy qui s'est tiré. Je sais qu'il y a Roi, il est juste à côté. Il y a Bill qui est pas très très loin non plus. Pierre qui est pas non plus super loin. On est tous assez proches, ça c'est vraiment sympa. On a tous bien joué le jeu. C'est vraiment cool. Ce qui fait qu'on peut rejoindre toutes les bases à pied sans vraiment prendre non plus des plombes et des plombes comme avant. Avant c'était juste pas faisable, quoi, tout simplement. Maintenant ça l'est vachement plus. J'ai plus de poulet. J'ai plus de poulet, donc moi je vais vous laisser, je vais récupérer du poulet. Je crois que j'en ai dans les coffres. Ouais, plutôt pas mal d'ailleurs. Perfect. Ok, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Bisous, bisous. Ouais, il avance. Bisous, bisous. Comment on dit ça? Prenez soin de vous, et puis placez des blocs, quoi. Allez, bye bye.